a eu l'idée de l'école en premier lieu? Rassembler autant d'adolescents stupides à l'intérieur, c'est dangereux? Pour eux. Mercredi, tu as encore fait de la contrebande de pyrotechnie? J'en ai marre, tu es renvoyé. Mon nouveau collège est tout à fait différent. Nevertroom. Comment vas-tu? T'es la nouvelle, non? Bienvenue. Pas un câlin. Je suis Enid. Soyons amis. Je savais qu'on allait s'entendre. Oh, qu'est-ce que c'est? Une main? Oups. À plus tard. Alors, c'est ça mon casier? Beaucoup trop coloré. Un cercueil, c'est toujours une bonne idée. Qu'est-ce qui se passe avec cette foule? Est-ce qu'ils distribuent des arbalètes gratuites? Oh non, c'est juste un stupide concours de reine du collège. Voici mon nouveau plan. Je vais voler la couronne pour que tout le monde panique. Aouah! Oups! Désolée, je t'avais pas vu. Oh, dommage. T'es l'amour de ma vie. Mes condoléances. Bye! J'ai besoin d'un crochet de serrurier. Hé, loser! J'emprunte ton épingle. Merci. Un outil parfait. Dégagez le passage. Devenir la reine du collège, c'est mon plus grand souhait. Qu'est-ce que tu fais, Sépia? Va au bout de la queue. Ah, enfin! J'étais dans quoi d'autre? Ah mais oui, c'est vrai! Le concours de la meilleure morsure! Désolée! J'ai fini! Tu peux remplir un formulaire de demande? Deviens la reine du collège et obtiens la couronne! Ok! Rends ton badge, loser! Elle est hors de ce monde! Salut! Tout sauf ça! C'est juste CJ! T'es allergique? Sérieusement? Ok! Cours, CJ! Merci de l'avoir éloigné! Il est génial! Qui? Cet éternuement ambulant? Ah, je vois. Oublie ta romance, espèce de malade. Quoi? Oh, désolé. Allez, viens. Voici notre chambre. Qu'est-ce que t'en penses? Oh, affreux. Trop de couleurs. La chose. Ok? Pas d'intrusion sur ma moitié. Mais qu'est-ce que t'as fait à notre chambre? Un pas de plus? T'as mis une photo de ton petit ami? Tu penses vraiment? C'est pas ce que tu penses. On n'est même pas ensemble, c'est impossible. Il est allergique aux chiens et je suis un loup-garou. Dommage. Merci pour le soutien. Tu es la main la plus mignonne. On va être amis, c'est sûr. Un selfie? La chose, j'ai encore gagné! J'adore prendre un café avec des nouveaux copains. Ok, qu'est-ce qui se passe avec l'application? Waouh, tu t'inscris? Moi aussi! On sera toutes les deux, reines! Allons voir la couronne! Cette couronne est mon plus grand rêve! Elle est trop belle! Toi, tu veux devenir une reine? Tu peux même pas être un loup-garou! T'es sérieux? Tu l'as bien cherché! Quoi?
ma meilleure amie. Câlin? Ouais, c'est ça, c'est pas une câlineuse. Non, mon frère, j'aime pas les cubes. Oh, oh mercredi. Oh, Colin. Un cubes de Rubik's Cube? Un jeu d'enfant? Voilà, hein? Tu l'as résolu? Waouh, t'es la fille de mes rêves. Au revoir les gars, à bientôt. Il m'aime en retour? Je dois me préparer pour le concours. Qu'est-ce que je devrais porter? Non, non, non. J'ai plus rien à mettre, je fais quoi? La chose? Merci! Tu veux emprunter une robe? C'est bon! C'est bien trop noir! Je pense que je vais porter ça! On est magnifique! Ah, maintenant c'est parfait! Ah si, Roberta! C'est mieux sans l'araignée! Ok! Non, c'est trop! Enlève les bêta-têtes! C'est une coiffure parfaite! Est-ce que c'est bien? Je le savais! Mince! J'ai une urgence d'ongles! C'est beaucoup mieux! Pouf, toujours parfait! Top là, ma belle! On y va! Liste de contrôle de la reine du collège. Voyons voir. Cheveux, check. Robe. Check. Des ongles. Parfait. Joli. Quoi? Une boutonnière? Oh non, où est-ce qu'on va trouver ça? Je sais pas. Mesdames, c'est pour vous. Charmant. Ma plus froide gratitude. Oups. Et ben voilà la boutonnière. Tout est prêt. On y va. T'es où? Ici même. Continue, Huggy. Tu veux danser, Colin? Oh, Colin, t'es si créatif. Les résultats sont annoncés. Mercredi? Qui va gagner? Et la couronne revient à... Waouh! Mercredi! Félicitations! Stop! Je suis tellement contente pour toi, bestie. Tu l'as bien mérité. Dommage que mon rêve se réalise jamais. Enid, tu ferais la meilleure reine du monde! Waouh! Un câlin? Oh oui! Bon, allez, une fois, ça peut pas me faire de mal. Merci, Mercredi! Chapeau bas, reine! J'aimerais que Colin et moi, on soit toujours ensemble. Quoi? Colin, je peux? Waouh, ça a marché! Je t'aime, Enid! Ah, les fins heureuses, c'est mes préférées. Mercredi? Huggy? Bon, ben, on essaye! Trop romantique! Terminé! On a fini notre pièce secrète. Oupsies! Mais qui fait comme ça, sérieusement? Il nous faut un pro. Hello! Hey, on a besoin d'une pièce secrète. Une pièce secrète? Pas de problème. Je vais préparer mes outils.
Un casque, des lunettes et c'est parti! Un humain va venir! Reste tranquille! Ça doit être dans le coin. Attention! Il y a quoi de si dangereux par ici? Stop! Mais je dois entrer, moi! Danger? C'est pas ça qui va me faire peur. Bienvenue? Ah, ben enfin! Dans la maison des vampires? C'est quoi cet endroit? Qui peut vivre là-dedans? Bon, allez, il est temps de se mettre au boulot. D'abord, je vais enlever toutes ces vieilles planches. Salut! Ah, mon pied! Il a besoin d'aide! Il est tellement maladroit! Et tellement beau! Bonjour, moi c'est Colin. Et moi j'ai faim! Non, Julie! Salut! Comment t'as fait ça? Je vais m'occuper de la construction. D'abord, je vais défaire les vis. Qu'est-ce qu'elle mate comme ça? Ah, je pourrais le regarder toute la journée. On devrait lui donner un coup de main? La première planche est enlevée. Au travail! Frangine, on peut faire ça en un clin d'œil. Je vais mettre cette planche ici. Comme ça. Quoi? Comment c'est possible? Quand est-ce que vous avez eu le temps de faire ça? C'était pas si difficile. Bienvenue. C'est vraiment vide. Où vous dormez en fait? Idiot. Regarde en haut. Hein? Un lit au plafond? J'ai jamais vu ça avant. Comment vous faites pour dormir à l'envers? Je peux pas, moi. Pas étonnant. Poussez-vous, je vais commencer les travaux d'intérieur. Je vais enlever tous les trucs qui sont au plafond et apporter d'autres matériaux. Notre lit a disparu. Waouh, c'est le comte Dracula en personne! Non, c'est que notre ouvrier. Notre bel ouvrier. On va commencer par décorer les murs. Il est si appétissant. Tu vas bien? Laisse-moi tranquille. Colin, cet endroit est trop beau maintenant. Il y a quoi de si beau? Je vais te montrer, moi, ce que ça veut dire beau. Je vais déchiqueter le tissu en morceaux. Maintenant, c'est vraiment sympa. Waouh, très impressionnant. Quoi? Je peux faire mieux que ça. Tada! Incroyable! Il kiffe! Franchement, je vais prendre un selfie. Ça a marché! En grand angle! Je peux prendre une photo de vous deux? Bien sûr! Souriez! Attendez une minute! Pourquoi je vous vois pas sur l'écran? Mon appareil photo arrière doit pas marcher. On va plutôt prendre un selfie. Tu devrais pas nous tourner le dos. Faut plus de lumière! Ah, mes yeux! Désolée! Aouh! Doucement! Quel manchot! Oups! Je vais réparer ça. Ah, ça a clairement besoin de l'aide d'un expert. Je vais pas être radin en peinture. C'est bon. C'est tellement sale. Vous inquiétez pas. Je vais nettoyer ça en un rien de temps. Il fait que de remuer la poussière. Oh, une chauve-souris. On dirait qu'elle est partie. Tu vas bien? Il est fichu. Tu t'en sortiras pas comme ça. Mais oui! Tu me donnes une idée! J'ai pris des matériaux. Et la dernière dent. Dis « Ah !» encore une fois. Ah. Voilà ce qui manquait. Quoi? Une feuille de salade. Maintenant, c'est la copie conforme de tes dents. C'est trop idiot! Regarde par toi-même! Comment c'est possible? Je dois me brosser les dents. Et toi, enlève cette salade! Je crois que cette brosse à dents fera l'affaire. Wouah! J'ai fait une longue sieste, non? Qui est là? Oups, j'ai pas fait exprès. Regardez ce que j'ai trouvé! De vieux portraits. Faut qu'ils arrêtent de prendre la poussière. Il est temps que le monde entier les voit. Waouh, vous ressemblez trop à vos grands-mères!
Ouais, nos grands-mères, bien sûr. Grand-mère, elle est où? Attention! Les amis! Jouer avec des bougies sans la surveillance d'un adulte, c'est très dangereux! Ce serait plus sûr de commander de nouvelles bougies en ligne. Comme ça, il n'y a aucune flamme. Mais comment on l'allume? Suffit d'appuyer sur le bouton. Il y a une super ambiance dans la chambre comme ça. Waouh, bien joué! Regarde, on va bien s'amuser. Grâce à mon don de télékinésie. Mon soda et ma pizza. Hé, hey, les amis, où est passé mon repas? Dites-le moi en commentaire. Qu'est-ce qu'ils fabriquent? C'est une clôture. Faut que l'extérieur soit joli aussi. Regarde comme il est fort! Quelqu'un veut essayer le marteau? J'arrive! Ça te plaît? Ouais, beaucoup. Je dois tenter ma chance. Mode déguisement activé. L'important, c'est de frapper fort. Vraiment? Je te tiens! On n'a pas besoin de ça. Oh, salut! Depuis combien de temps t'es allongé là, toi? Je vérifiais si la pelouse était assez souple. Oh, bonne idée! Oh non, ça arrivera plus! Quoi? C'est pour le chemin? Oh, bien sûr! Je crois que j'ai assez de tuiles. Parfait! C'est pas encore fini! J'ai une surprise! C'est quoi la surprise? C'est pour nous? Voilà une marmite spéciale pour cuisiner dehors! J'espère que ça vous plaît! Un chaudron pour nos potions? Oh, c'est trop sympa de ta part! Mais cette fumée me donne vraiment sommeil. Dommage qu'on n'ait pas de lit. C'est pas un problème. J'ai une offre spéciale pour vous. Un lit rose et romantique avec des volants et des froufous. Le modèle le plus populaire de l'année. J'adore! Aucune chance! Très bien. Pourquoi t'es si fermé d'esprit? Lit numéro 2. Un style baroque basique et monochrome. Waouh! Qu'est-ce que t'en penses? Je vois. Et pour finir, le minimalisme le plus total. Waouh! On veut ça! Pas de souci. Le lit est monté et il rentre parfaitement dans la pièce. J'ai fini mon travail! C'est incroyable! Je faisais que mon travail. Ah, mais je suis épuisée. Nancy? J'ai été plus rapide que toi. Elle m'a mordu! T'as tout gâché! Je m'envole au loin. Vous êtes des vampires? J'ai des crocs? Je suis aussi un vampire maintenant? Je peux devenir une chauve-souris? Wow! Au secours, je me suis tout emmêlée! Ça va? Je crois que oui. Je suis devenue un vampire. Ouais? J'ai été acceptée à l'université des monstres? Ouais, je suis partant! Nancy, je dois aller en cours! Je t'attendrai! Ils sont où les autres? Ils sont envolés! C'est le premier jour de Catherine dans sa nouvelle fac. Cet endroit est trop chelou! Quelqu'un peut m'aider? Attendez! Hé, hey, le loup-garou! Tu sais où elle est la classe de vampires? Là-bas? Merci! Oh non! Ils sont sur le point de manger le prof! Piou! J'imagine que non, en fait. Salut tout le monde! C'est le logo de notre université. Chaque étudiant en a un. Attends! J'entends un battement de cœur! Oh non! Je vais retenir ma respiration! J'ai dû rêver! Bienvenue dans notre classe! Merci! Les élèves travaillent très dur. Le temps est écoulé! Mettez les feuilles sur mon bureau! Pourquoi apporter sa feuille quand on peut utiliser la télékinésie? Sérieux? Catherine, elle est où ta feuille?
Je vais devoir la porter moi-même. Catherine, t'avais pas à te lever? La loose! J'aimerais trop faire de la télékinésie aussi. La classe des vampires passe un test. Oh non, mon crayon est cassé! Est-ce que quelqu'un a un taille-crayon? Un taille-crayon? T'as entendu ça? Ses camarades de classe sont clairement choqués. Monsieur Draculus va t'aider. Cher vampire, voici la canine légendaire de Dracula 4. C'est un grand honneur de le voir. Merci. C'est juste un taille-crayon. Son crayon est vraiment super pointu. Qu'est-ce qu'il regarde comme ça? Le sujet du cours d'aujourd'hui est le système circulatoire humain. Du sang! Ça donne faim aux vampires tout de suite. Est-ce que tout le monde se rappelle comment on mord correctement? Oh, vous êtes affamés! C'est l'heure de manger! Les vampires se régalent avec leur repas sanguinolent. Je vais me scotcher les veines, juste au cas où leur goûter ne suffit pas. Oh non, j'ai une écharpe dans le doigt! Ça fait mal! Les vampires peuvent sentir le sang humain. J'ai besoin d'un pansement tout de suite! Tenter les vampires, c'est pas une bonne idée. Où est passé mon chouchou? Il dort. Très bien. C'est son casier. Waouh! Réveille-toi, c'est l'heure d'aller en cours. Il est quelle heure? 8h50. J'ai encore le temps. Monsieur Draculus a un stylo préféré. Il adore écrire des notes avec du sang. La classe, voici vos tests. Oh, super! Un F! Il sent trop bon! Elle a léché sa note? Miam! C'est pas difficile à modifier. Tu vas le prendre? Non, tu peux le garder. Voici les vampires les plus célèbres de tous les temps. Mon frère était ami avec Einstein. Lincoln était un vrai farceur. Je le savais! Et voici Tesla, le frère de ma mère. La ressemblance est troublante. Ils étaient tous vraiment des vampires? On dirait que Monsieur Draculus a remarqué des antisèches pendant le test. Sarah, tu ne peux pas me duper comme ça. T'auras un F pour avoir triché. Et oublie tes antisèches. Catherine a aussi une antisèche. Elle cache quoi? Elle a une antisèche sur un miroir. Monsieur Draculus la verra pas comme ça, ça c'est sûr. Catherine a un nouveau tour de cou. Mais les autres élèves ne l'apprécient pas beaucoup. Évidemment que non, parce qu'il est fait avec de l'ail. Burk, ça pue! Elle est folle! Les vampires ne supportent pas cette odeur. Faut pas s'approcher d'elle! Ce collier a rendu Catherine pas très populaire. Votre temps commence maintenant. Le prof surveille les élèves comme un faucon. Les questions sont trop dures! Le temps est écoulé. Rendez les feuilles! Dans cette classe, même la pomme peut se transformer en vampire. Surveille la classe! Le prof est parti? Je vais tenter d'ajouter quelques réponses. Merci pour ton aide. On se remet au travail. Ce vampire est trop sexy! J'aimerais savoir ce qu'il écrit dans son carnet. C'est la pause! C'est le moment! Je vais juste y jeter un coup d'œil. Le carnet s'est envolé! Catherine est partie et elle a laissé son téléphone. Mate ses photos! Un appareil dentaire et des lunettes!
Elle revient! Qu'est-ce qui leur arrive? Oh la vache! Ils ont trouvé mes vieilles photos? Il se passe quoi? Catherine, pourquoi t'es toute triste? Ils rigolent à cause de ça! C'est même pas drôle! Je vais te montrer un truc. Tiens, c'est mes photos d'enfance! Moi aussi j'avais un appareil dentaire et des lunettes. Sois pas gênée! Ignore-les, c'est naze! Les vampires aiment plaisanter, tout comme les gens normaux. Wow! Ce beau gosse a un truc de coincé entre les dents. Heureusement que j'ai un cure-dent. Un pieu! Tiens, je crois que tu vas avoir besoin de ce cure-dent. Ah, c'est pas un pieu. J'ai eu trop peur. Les élèves, on va commencer. Où est passé tout le monde? On sait pas. Désolée, je suis en retard. Ce café est pour vous? Urk! Dégueu! Monsieur Draculus, je suis en retard, mais j'ai votre boisson préférée. Oh, merci! C'est une super façon de commencer la journée. Prends-en de la graine!